J'ai appuyé sur une touche. C'est de la merde, non, c'est bon. On m'entend toujours et tout. Bombarda, Confringo. Incent. Defendo. Incendio. Je vais pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Incendio. Defendo. Tu commences à fatiguer. Confringo. Relou, hein? Defendo. Incent. Confringo. Bombarda. Incendio. Ah! Confringo. Incendio. Defendo. Et boum! J'ai besoin de toi, mon ami. Let's go! Plus vite! Grab corn! La charge du grab corn inflige l'important dégâts aux ennemis. Il y a certains barricades. Maintenez L2 pour charger et surveiller la jauge des endurances. Le grab corn est vite en charge. Let's go! Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. C'est par là qu'il faut aller, non? Point, point, point. Des braconniers? Voyons si le seigneur des rives apprécie leur présence dans la région. Je crois que c'est mon tour. Tu n'as rien à faire là. Je me trompe de chemin depuis tout à l'heure là. On est raccourci. Il faudra faire mieux que ça pour arrêter le seigneur des rives. Un point, point. C'est dangereux si je ne fais pas attention. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Nous avons un projet pour cet hippopotame que tu nous as volé. Ça dégage. Hors de mon chemin. Ah, ce n'était rien. Finissons-en si tu permets. J'ai plus important à faire. Palapap, palapap. C'est plutôt sympa, hein, mais bon, ça vaut pas le balai encore une fois. Balai qui est la meilleure monture du jeu. Hein. Pas se mentir. Ça reste sympa comme, comme petite séquence. Ouais, il y a le hangar à bateau, c'est-à-dire. Ah oui, Oui, il y a, ouais. Il y a.
autre chose. Il y a une quête à côté. Il y a une quête à côté si tu veux. Elle est très très rapide dans le hangar à bateau. Ok, elle est rapide. Le professeur Rackham a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez n'hésite protéger. N'hésite pas à ne pas regarder du coup là la loup, parce que ça archi spoil. La pancine là, ok. Hop. Après on ira à la crypte, voir si je peux prendre le sort. C'est moi, Isidora. Isidora ? Ah. Monsieur Morganac, je... Monsieur Morganac ? San, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance... mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord ? Mais qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus!
Abracadabra! Elle est en vie. Et oui. Très bonne scène encore une fois. Très très bonne scène. Ouais, deux dernières épreuves sont assez courtes quand même par rapport aux deux premières qui étaient un peu plus longues vu que c'était des parcours avec des énigmes. Là, c'est plus des vraies épreuves du coup pour moi, je trouve. Que celle d'avant. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volées. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrok. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrok ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander ? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrok. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrok compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt. Ok, mission accomplie. Est-ce que j'ai la mission de la crypte, par pitié ? Ok, merci. Allez, s'il te plaît, apprends-moi le sort. Apprends-moi le sort, s'il te plaît. S'il te plaît. Je fais une erreur en disant un dialogue et je suis baisé. Apprends-moi le sort. Apprends-moi le sort. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Elle est effondrée. Elle vient d'enterrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien, Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais... Quoi ? Me dénoncer ? Elle a vu ce qui s'est passé. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Apprends-moi le sort, Sébastien, s'il te plaît. Sébastien, tu as entendu ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment ?
Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal? Je ne voulais pas. Oh, Anne, j'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi, tu comprends? Tu peux parler à Hominis, lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Je ne sais pas quoi faire, Sébastien. Mais si, bien sûr que si. Anne n'a plus personne. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai eu tort. J'espère seulement qu'elle me pardonnera. Que tout le monde me pardonnera. Apprends-moi le sort, quoi, Sébastien, je t'en supplie. Je suis content de t'avoir rencontré. Attendez, il y a une récompense ou pas? Pas de récompense. Je l'aurai jamais en fait. C'est barré ou pas? Voilà, amène-nous la quête. Ouais, je parlais au Minis. Pauvre Sébastien. Au Minis, quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'aie eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvée près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes, mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Hey, mais je suis pas une salope en fait. Je suis gentil, donc je dénonce pas. Nous avons le choix. Le dénoncer maintenant ne servirait à rien. C'est évident qu'il regrette. Il ne refera plus jamais une chose pareille. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais nous devons aussi penser à Anne. Elle a perdu sa santé et maintenant son oncle. Tu veux vraiment lui enlever son frère aussi? Je comprends ce que tu veux dire. Tu as peut-être raison. Même si je pense que Sébastien devrait répondre de ses actes. Mais nous punirions Anne également. J'espère que nous prenons la bonne décision. Je vais parler à Anne. Si ça vient de moi, elle acceptera notre décision. Merci, Hominis. Tu es un bon ami. Je commence à pantard, je vais le dénoncer, voir ce que ça fait, mais... Mais nous devons l'affronter ensemble. Ça, j'en suis sûr. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'ai pas le sort. C'est terminé. Genre là, je suis baisé à vie. C'est ça, hein. J'ai l'impression. J'aurais bien demandé à Turpinette, mais lui il s'en fout du jeu et pour pas qu'il se spoil lui-même, il s'en fout. Il va pas le faire, mais j'aurais aimé avoir le sort encore une fois, donc j'aimerais bien l'avoir. Et je l'ai pas. Je l'ai pas. Moi, en tous les cas, je voulais refaire une partie avec un griffon d'or. Et je fais tous mes choix que moi je voudrais. Là, j'ai fait que des choix gentils, j'ai fait que des choix méchants avec l'autre. Il existe plus accueillant. Je prends un truc voilà, de mon côté, en mode de chill. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien. Allons apprendre Doris. Aïe aïe aïe. Bah moi tu vois j'ai dit mauvaise phrase, j'ai pas pu apprendre Avada Kedavra donc avec ce perso là. Mais avec l'autre j'ai réussi. Voilà. Bonjour monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale. Et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai. Ah, peut-être, ouais, mais je sais pas. Ah, mince. C'est extraordinaire. J'aurais bien regardé sur Google, mais bon. Conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière.
J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrock sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance! J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Et c'est parti les potes! Dégoûté, je suis dégoûté. Ne facilite pas trop la tâche. On te brise. Tiens. Yeah.
J'ai goûté. Comment as-tu osé me faire une chose pareille? Ok. C'est bien pour quelqu'un de ton âge. Trop stylé ces combats aussi. Confringo. Pas d'FPS là. Chance du débutant. Oh les nulos. Confringo. Et où? Ça dégage la racaille. J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Ok, téléportation. Non, je peux pas, je peux toujours pas. Téléportation. Allez où? Poudlard. Qui est à 18h. Ah non, ça, ça le. Je suis con, ça le. La carte. J'ai toujours pas le sort, je suis dégoûté. J'aimerais bien qu'il y ait un endroit où on peut apprendre, mais à mon avis. Ah oui, c'est mort de chez mort. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rockwood en personne? Eh oui. Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez...